on est dans le pavillon des Dom Tom, qui est terroir aussi français. Donc c'est super, il y a un riche terroir. Moi, j'adore le rhum en plus. Et c'est le stand de la Guadeloupe ici. Pardon, Marie-Alonso. Faut pas déconner, c'est pas pareil. On déconne pas, c'est pas pareil, c'est différent. Pour pas pour les vielles, on parle de grande vielle. Là, on est sur un petit 55. 59 59. Ils avaient tout faux depuis le début. J'en ai oublié 4. Un rhum très fruité avec lequel on fait le planteur et le typus. Profitez-en. Vous avez. Non, mais non, moi devant la caméra, en fait. Non, bien, fais le bonhomme, c'est super. Nickel. Ça vous purifie, ça vous sanctifie. Oh, merci, Marie-Galante. C'était Marie. Elle est galante. Merci. Je vais pas ressortir de ce pavillon, je crois. Il est magnifique. Merci, la Guadeloupe. Ça me va bien ou quoi? On me le dirait. Ça ne va pas très bien. On ne désemplit pas depuis l'ouverture. Pas trop fatigué? Non, ça va, c'est pour la bonne cause. Bon, pour vous, c'est une étape importante? Ah, c'est très important, c'est un rendez-vous professionnel incontournable. Alors, c'est vrai que c'est 8000 km, mais chaque année, c'est le rendez-vous de la profession pour faire la promotion. Merci. À bientôt en Guadeloupe. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de bananes? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulière, la banane? C'est quoi la banane? C'est la meilleure du monde. Oh, comment? C'est la meilleure du monde. C'est la plus vertueuse, c'est la moins polluée. Nous sommes à 85% quasiment bio. On est les premiers sur le marché mondial. Et là, elle a de qualité. En plus, c'est banane sur Guadeloupe et Martinique. Hein. D'accord, ok. Les îles sœurs de la développement français. Donc voilà, il n'y a pas photocopie. Ah, c'est clair. Il n'y a pas photocopie à ce niveau-là. Prouvez, certifié. Bonhomme. La plus vertueuse. Mais c'est une banane française. Ben oui, il n'y a que la banane qui est vertueuse. Pensez-vous. J'y vais. Là où vous me perdez. Adieu. Chardon béni, sauce chardon, tu as bien appris la recette. Merci à toi, chef. Nous allons pouvoir glisser. Ta spécialité, c'est plutôt le vin. Qu'est-ce que tu fais là? Le vin et la gastronomie. Ah, la gastronomie. Ah, donc là, tu es venu voir Outre-mer, ce qui s'est passé? La Réunion. Ouais. Parce que c'est un accueil hyper chaleureux. J'ai jamais mis les pieds à la Réunion. Ouais. J'ai accompagné mon pote Manu qui est juste là. Manu qui? Manu Payet. Salut. Et il me présente son île. Toute la Réunion est là. Toute la Réunion est là. Hop là. Et ça, c'est cadeau. Ça, c'est merci. Quel est le plaisir de venir ici au Salon d'Agriculture, Manu? Retrouver les saveurs de mon île, tu vois, l'ananas Victoria est juste là, tout dans la main. Pourquoi c'est la plus belle île outre-mer, la Réunion? Déjà parce que c'est la mienne, ouais. Et puis en plus parce que c'est vrai. C'est pas qu'à la Réunion, il y a beaucoup de rétroprojecteurs partout, blague d'entreprise. La Réunion, rétroprojecteurs et tout. Salut Mickaël. A bientôt Manu. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Bonjour, ça va? Good. Petit coup de barre, petit coup de fatigue. Oui, c'est la couronne en fait. C'est la couronne qui donne un petit coup de barre. Première année? Troisième année? Donc les clients maintenant qui viennent chaque année. D'accord. Le plaisir de le revoir. Bon. L'or noir. La meilleure. Ah, l'or noir. L'or noir. Attention, il y a plusieurs or noirs. Il y a le pétrole, il y a la truffe. L'or noir. Ça, c'est le vrai. Chez nous, on appelle l'or noir. L'or noir. Mais d'accord. Et voilà, il est là l'or noir. Il a été médaillé en 2022. Bravo! Bon, ben, on change rien. Et restez simple et gentil comme vous êtes. Malgré le super produit que vous avez, vous ne changez pas et ça, c'est super. Merci Tahiti! Attention! Ne vous méprenez pas! J'aime le rhum! Ça a la même couleur, je peux faire voir chaque fois. J'espère aller outre-mer bientôt. J'espère. Moi aussi. Le risque prend que l'année. Hein. Comment? Prend que l'année. À mon avis, tu reviendras pas quand tu seras cher. Il faut que tu saches, c'est. Ne le dis pas aux Antillais, s'il te plaît. On avait la canne 500 ans avant eux. Oh, d'accord, ok. Pour rien dire. Je pense que votre canne à sucre est différente.
Tout à fait. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est que nous, par exemple, Manutea, on travaille sur deux îles. L'île de Taha, qui est à côté de Bora Bora, la bleue, là. Et la verte, c'est sur l'île de Moréa, où il y a notre usine. La même canne, sur deux îles, donne deux produits différents. Ah, d'accord. Celle-ci, on est sur un profil très terreux. Ouais. Et même les experts ont dit que c'était vraiment de la truffe blanche. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, on connaît pas la truffe chez nous, mais elle aurait un goût terreux qui rappelle la truffe blanche. Et la même canne sur l'île de Moréa, bon, certes c'est un 55 degrés au lieu d'un 50, mais là on est sur quelque chose de beaucoup plus mentholé. Moi je la connais pas, la truffe blanche. Et c'est vrai qu'il y a un côté... Ah ouais, c'est surprenant. Un côté surprenant. Ah ouais, c'est surprenant. Ouais. Je suis pas allé à Tahiti, Tahiti est venu à nous. On pense au Rhum. Je pense d'abord Martinique, Guadeloupe, La Réunion et la Polynésie, moi je suis ravi de découvrir. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait le Rhum. Après on sait que maintenant on connaît le sucre, mais d'abord à Tahiti. Bon, ça c'est rigolo. C'est vrai que c'est les Polynésiens qui l'ont amené à bord de leur pirogue double en l'an 1000. Ils sont arrivés en l'an 1000 et ils l'ont planté, mais ils n'ont jamais fait de culture intensive. Du coup, ils n'ont pas réveillé les pestes. Et du coup, on a des cannes à sucre qu'on appelle cannes nobles avec 80 chromosomes qui donnent un parfum différent de ce qu'on a là-bas. Et c'est un beau produit de terroir pour les Polynésiens, ça, Jean-Michel. Exactement. C'est quoi ta définition du terroir à toi, Jean-Michel ? Alors c'est simple, pour nous le terroir c'est extraordinaire, tu verras jamais ça. On a 118 îles, ce qui veut dire qu'on a le potentiel d'avoir 118 terroirs différents. Et on a pris nos meilleurs cœurs de chauffe, comme j'ai dit, nos meilleures distillations, comme on travaille sur un alambic, c'est du costaud. Hein. Ah là, il y a de la rémanence. Là, il y a de la rémanence. Alors, la rémanence elle est là, mais il y a de la puissance. C'est vrai qu'il y a de la puissance, mais il y a beaucoup de parfums. Voilà, c'est ça la force. Non, parce que quitte à aller à Tahiti, hein, faut y aller quoi. Voilà, moi je suis pas venu ici pour. Voilà, on est sur un 100% Banyuls. Ah ouais, c'est ouf. A bientôt à Moréa. Avec plaisir. Ouais. Moréa. Moréa. Ça veut dire le lézard jaune. Ne pas te tromper. Manutea, ça veut dire Manu, l'oiseau. Théa, blanc, l'oiseau libre. Ah, tu me fais rêver. Voilà. Je suis là, Jean-Michel, tu m'as fait rêver. Voilà. Merci. A bientôt, Michel. Les gardois. Merci. Sauf qu'on vient leur chercher le cèpe, elles sont pas sympas. On n'a plus le sourire. Là, on n'a plus le sourire. Mais le terroir. Dans le cochon, hein, jusqu'au bout de là. Mais moi je vois ton colonie. On aime le Tarn, le 81. Pays de terroir et de caractère, le pays où la main de l'homme n'a pas encore mis le pied. Copain du Gers. C'est génial avec le salon d'agriculture. En un lieu, on peut visiter toutes les régions. Quoi. Là, on se retrouve tout de suite en Alsace. Choucroute d'Alsace est resté. Et là, on est dans l'est de la France d'un coup. Là. Là, j'ai l'impression qu'on est sur la spécialité là.
ouais, plus. Hein. Il a eu du succès, quoi. Ah oui, il a eu du succès, c'est pour ça, c'est tout de suite maintenant. Après, il y en a plus. C'est fini, on voulait déguster le vin d'Alsace, c'est pas beau. Ah, c'est possible. Cette cépage, c'est vraiment une éponge à terroir. Une éponge à terroir. J'adore ça, c'est une belle expression. Celui-là, c'est une éponge à terroir. Voilà, c'est en Alsace qu'on fait les meilleurs du monde de ce cépage. Le Riesling. Ah, le Riesling, mais oui, c'est quoi votre définition du terroir à vous? Un terroir s'exprime que s'il y a beaucoup de vers de terre. Hein? Qu'est-ce qui fait la différence entre une tomate de jardin et une tomate de supermarché? Pourquoi la tomate de jardin a du goût? Parce qu'il y a beaucoup de vers de terre dans notre jardin. Ils mangent l'humus, ils vont sur la terre, ils le transforment en terre riche en oligo-éléments. Le petit système racinaire de la vigne, les radicelles, eh bien, elles captent ça et ça va directement pas dans la feuille, mais dans la tomate. Et pour faire un vin qui a du goût, eh bien, il faut un raisin qui a du goût. C'est basique, en fait. Donc le terroir, c'est juste l'expression de est-ce que c'est un sol vivant? Si c'est un sol vivant, le terroir va s'exprimer. Très belle définition. Voilà. Merci. C'est une définition paysanne. Bienvenue en Bretagne. C'est bon ça. C'est vrai que le poisson est plutôt miroir, ouais, c'est vrai. Ouais. Andouille de père en fils, j'adore. Alors l'histoire, c'est mon père qui rachète cet atelier il y a plusieurs décennies maintenant. Et mon frère qui et moi donc nous décidons de racheter l'atelier pour perpétuer une véritable andouille de Guéméné à l'ancienne. Ouais. Alors, c'est des jolis mots pour dire qu'en fait, on n'y aurait pas noirci au caramel. Il n'y a pas de sel nitrité, c'est du cochon du Grand Ouest. Ouais. Il n'y a pas de... Même les mauvaises andouilles sont fabriquées à la main. L'andouille de Guéméné, elle se façonne. Tu as entre 24 et 27 intestins joyaux, ouais, des ouais. chaudins, ouais. calibrés du côté de trop large. Pour fabriquer une andouille, c'est le cœur le plus fin. Et puis on va les emmancher les uns par-dessus les autres. Là, j'ai pas très joli, mais comme des chaussettes, les unes par-dessus. Et tu poivres tous les trois chaudins. Dans une bonne de beurre comme ça, tu envoies ensuite en étuve et tu fais fumer au bois de lettre. Et c'est voilà, un emblème de la gastronomie bretonne. L'élite, un bon produit de terroir, ah, ça fait nous, plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, tiens, ça c'est moi. Je termine ma journée, je viens dans l'Ain. C'est le département 01. Oui. C'est pas mal pour terminer. Oui, c'est bien. Ah ben c'est le plus beau département de France. Hein. Évidemment. Voilà. Number one en terroir aussi. Tout à fait, oui. C'est quoi les spécialités de l'Ain? Alors il y en a plusieurs. Il y a plusieurs régions. D'abord au sein de l'Ain, il y a la Bresse. Ouais. On fait le poulet de Bresse. Après, il y a le Jura, une partie du Jura où on fait du comté. Mais ouais, évidemment. Du fromage. Après, il y a la Dombe avec un S. Donc, qui est une région d'étangs où il y a 1100 étangs. Et où on fait de la carpe essentiellement, et on produit des carpes. Et notamment, si j'en ai là, voilà, du cuir de carpe. Mais non. Et mais ça sent le cuir. Ouais, ouais, ouais. Et c'est celui. Et on fait des chaussures aussi. Ah bah c'est cool. C'est pas vrai. C'est génial. Alors ça, du cuir de carpe quoi. Ouais, du cuir de carpe, c'est là, ça, et d'accord, tout ça. D'accord, ok. Et ça c'est tanné naturel à ouais. Lyon. C'est un bon produit terroir ça. Voilà, le cuir de carpe. Bonjour Christine. C'est quoi votre fromage coup de cœur? Votre fromage coup de cœur? Le Blue Jack. Christine, j'ai droit au dernier morceau de Blue Jack. Voilà. Vous êtes où, vous, Christine? De Césaire, à côté de Bourg-en-Bresse. D'accord. Fier de votre terroir? Fier de mon terroir. J'ai même l'accent. C'est quoi votre définition du terroir pour vous? Moi, le terroir, c'est la petite zone autour du village, autour de la fruitière. Donc là où c'est qu'il va y avoir les producteurs et où c'est qu'on va avoir du coup un vrai fromage de terroir. Bravo Christine, merci. Voilà, bon. De rien. Et voilà. Le Salon International de l'Agriculture 2023, c'est terminé pour moi. C'était un épisode spécial Fond Terroir. Je pense qu'en termes de terroir, ce salon, on ne peut pas faire mieux. Je me suis régalé, je n'ai pas pu aller partout. Il y a une semaine de salon, mais en fait, il m'en faudrait, je pense, un mois pour voir tout le monde. Quoi. C'était vraiment génial. Je vous invite chaque année à venir le voir. Vous découvrez toutes les régions de France et tous les terroirs. Et vous êtes toujours très bien accueillis. Et je vous dis à très vite.